jeudi 7 septembre. Nous avons dans la caillou pour nous informer depuis Studio 18 dans Washington DC. Mais grand point, grand actualité que nous avons pour aujourd'hui, grand studio. Guy Philippe a blagué sorti en prison jeudi, mais il n'est pas au libre pour retourner à Haïti. Plus de détails avec envoyé spécial nous sous place dans Atlanta, Georgia, Jacqueline Bélizère, Gentil Junior Augustin. États-Unis, procureur fédéral, a demandé un grand jury pour inculper petit garçon président Joe Biden. Dans l'international, le sommet G20 va commencer demain vendredi 8 septembre dans le pays Inde. Haïti, délégation CARICOM a été rencontrée avec plusieurs acteurs politiques dans le pays, ensemble avec membres du Conseil de transition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Merci parce qu'on branche VOA Creole, Rendez-vous Info. Nous allons commencer l'édition nouvelle Rendez-vous Info, ça avec une note triste malheureusement. Nous allons rejoindre toute équipe VOA Creole, ensemble avec staff La Voix de l'Amérique là, dans son entier, pour nous saluer mémoire Madame ça, ou femme voyant. Madame Mercelise Jean-François, qui c'est maman collaborateur nous, Gentil Junior Augustin, qui fait le grand voyage, qui mourit, qui quitte nous le matin. Bonne année matin, après une maladie que le t'es goumé ensemble avec lui en tant que femme voyante. C'est comme ça que l'équipe VOA Creole, ensemble avec moi-même personnellement, nous voulons saluer et dire toutes nos sincères condoléances, sympathie avec un pile d'amour à collaborateur nous, Gentil Junior Augustin, ensemble avec famille. Maman Gentil Junior Augustin quitte nous à l'âge de 67 ans et quitte derrière 6 timounes. Encore une fois, condoléances à confrères nous. Gentil Junior Augustin, VOA Creole, en deuil. En vue de l'actualité, et nous allons rejoindre justement depuis Atlanta, Georgia, nous allons rejoindre Jacqueline Bélizère qui est sous place. Encore une fois, c'est gros mot sur l'actualité, à côté que Guy Philippe a supposé sortir de la prison. Nous, en direct, depuis Atlanta, Georgia, Jacqueline Bélizère qui sort gagné comme information, c'est une information que tout le monde a tant nommé VOA Creole qui sort gagné de nouveau aujourd'hui. Merci Valério. Effectivement, Jean Odila, Guy Philippe libéré selon même ça que le département de justice américaine a annoncé. Li libéré, mais pas libre. Libéré, ça veut dire que li purgé et peine, li pas yon prisonnier encore, mais li gagné pour l'aller yon l'autre côté. Nous sommes entrés en contact avec yon étendant en prison même qui fait nous connaître que effectivement yon exécuté décision de justice là qui Philippe lagué mais li pralé yon l'autre côté. Nous te poser question pour nous te connaître est-ce que qui côté le pralé, mais yon pas vle dit nous. Donc nan moment nous t'a parlé à et ben li toujours dans US Penitentiary dans Atlanta, Georgia, et c'est là que nous t'ai rencontré tout avec autorité pénitentiaire qui te ba nous nouvelle ça quand tout le monde et t'attend. Et ben effectivement et Guy Philippe et ben libéré mais il est pas en état, il est pas capable retourner à Haïti ou bien il pas capable en liberté totale. Explication, c'est première explication, c'est autorité haïtienne yo pour qu'on voyait papier by autorité américaine yo pour yo ta fait suivi avec dossier notamment en termes de feuille de route, en termes de passeport. Et nous te parlé tout avec avocat Guy Philippe qui est dans Port-au-Prince dans le pays d'Haïti, n'a parlé de Louis Cher Jean-Joseph qui fait nous connaître que yo te fait toutes démarches, yo fait démarche pour te voyer toute bagaille by autorité et haïtienne pour être capable de faire le suivi, mais il y a que pas de suivi qui fait. Entendez, avocat, lui cher Jean-Joseph, qui te lui-même te confié à VOA Creole sous dossier. Nous sommes avocats, nous devons faire ça la loi. Parce que dans un premier temps, nous écrit ministère de l'Intérieur, nous connaissons Ariel Henry, qui est ministre à qui ministère de l'Intérieur. Nous devons faire le devoir, nous écrit directeur d'immigration. Jusqu'à présent, nous demandons. Ariel Henry, pour lui délivrer nos passeports sénateurs, pour faciliter le sénateur à entrer dans le pays, jusqu'à date de majeur faire nos réponses, nous devons nous le devoir, nous écrire ambassadeur américain, nous écrire ambassadeur haïtien, nous-mêmes écrire pour les copies conformes par le consul haïtien à Washington, dans le cas où, à défaut de passeport sénateur, pour débattre nos frais de route, pour nous permettre le sénateur d'entrer dans le pays, jusqu'à présent, là, rien ainsi. Où écrit ambassadeur haïtien à Washington, tout. Exactement. Et nous avons une copie conforme que nous voulons dans le consulat. Et plus tard, nous avons le cabinet, nous avons tout le document en bas. Comme preuve à l'appui. Jusqu'à présent, nous avons dit ça, rien de ce qu'il devait. Parce que
condamné à 6 ans dans prison. Je veux dire, libérer le richard dans le pays. Ok, qu'on y a dernière information, qui côté c'est la tataille. Jusqu'à présent, je ne sais pas courir sur les zones. Pour sécuriser ces lanternes, pour qu'on garde. Ça qui est plus important pour nous, je le dis à la sécurité, vous n'avez pas de travail. Mais pour sécuriser ces lanternes, pas garder côté. On a rappelé que voir le résultat de là, et ben c'est Jacques Bélizier, envoyé spécial nous qui sous place dans Atlanta, Georgia, qui était parlé ensemble avec avocat Guy Philippe, qui lui-même c'est monsieur Maître Louis-Cher Jean-Joseph. Parallèlement à l'information ça que Maître Louis-Cher Jean-Joseph bah, et nous-mêmes dans VOA Creole, moi-même personnellement, nous t'ai relé ambassade d'Haïti à pour ici dans la cour Washington. Nous t'ai parlé personnellement avec ambassadeur pays d'Haïti dans la cour Washington, qui c'est monsieur Louis Awol Joseph, qui lui-même dit que ambassade là et ambassadeur lui même pas au courant de aucune démarche qui fait bon côté par avocat Guy Philippe là pour ta joindre papier au soi-disant et passeport pour Guy Philippe pour retourner dans le pays. Donc encore une fois on a rappelé et c'est une information que la baille sous permission ambassadeur lui même dans la cour Washington DC qui dit nous que pas rien d'arrêt comme ça du tout. La vie d'actualité a prêté en Haïti pour une fois qu'on est que justement toujours sous poser question retour, libération, nous dit Pito et sénateur Guy Philippe, et bien c'est Mathieu Dovinme qui est dans la cour de presse, qui te font tirer dans la cour de presse, justement, puis mon aptan retour ça, ils te font parler au micro-trottoir avec des gens qui t'ont réagi sous libération, sénateur élu Gandassa Guy Philippe, Mathieu Dovinme. Quelques citoyens qui réagissent sous libération ancien sénateur élu Gandassa dans le pays États-Unis. Mande pour la justice haïtienne, tendez M. Guy Philippe sous sa qualité commettante dans le pays. En 2004, nous avons fait des décisions de condamnation. Et nous rappelons Guy Philippe, à l'époque, il était dans la tête des sens qui étaient passés dans le pays. Côté Guy Philippe, il a marché, roulé tout le commissariat, tué plusieurs policiers. Et c'est là que Guy Philippe est venu au cap, c'était massacre sur massacre qui était fait. Automatiquement, on a déporté Guy Philippe là, on a passé des CDJ, on a fait un rallye, qui donc passé. Par rapport avec tout crime, tout massacre Guy Philippe fait en tant que pays, ça là, premier bagaille, les CBJ se posent pour un Guy Philippe à l'auditionnel, et puis passer vidéo, montrer Guy Philippe toute sale qu'on a fait, je veux dire, même pour répondre à une question, la justice haïtienne. Ancien sénateur Guy Philippe, si vous êtes rentré pour nous répondre à une question avec la justice pays, par rapport à tout ça, il est pour répondre. Pour moi, c'est quelque chose à mon IA, quelque chose à un militant ou citoyen. Bon citoyen, pas je m'en débrouille, Philippe. Faka bon pa elio, ka m'en débrouille vini, mais au citoyen même le fait qu'il soit, depuis dans votre mal, depuis dans l'élève de gata citoyen, va m'en débrouille, Philippe. Nous m'en débrouille, cri d'alarme, au niveau diaspora. Bon, il est possible qu'il y a le cabé devant moi, maison blanche, je suis pas mal attendre, même Jacques, mon seigneur, tu peux faire lui. Parce que tu veux que Guy Philippe, ça dit, Guy Philippe, c'est une blâme, débat qu'elle mettait à terre là, qui pas bon pour nous. Qui va bon pour nous? Oui, Guy Philippe, c'est mon nom. Mais il y a côté, il y a espace. À force d'absorption, là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas qu'il y ait. Quelqu'un, même qui lance un pinga, Guy Philippe, dit à ton nom, la bataille qui a mené pour bien-être passe là. Nous-mêmes, les Haïtiens, nous avons la débra. Ouvrir. Pour qui ça? S'il connaît, c'est pour oligarcher la vie de travail. Si travail oligarcher la vie de faire, nous-mêmes, population, nous avons rejeté, nous avons couru d'elle. Nous avons fait tous les mêmes côtés de TEA encore. Parce que, nous-mêmes, les Haïtiens, dans cette situation, ça, nous vivons là, pour être bon par bon, et ce qui est à valer le terrain. Et puis, nous connaissons que Philippe, c'est dans un camp peuple là, la ville campée, la bataille de la voie roulée et la bien recevoir. Si nous connaissons ce travail oligarchique là, vous faites, c'est bien côté mal calculé. Mais je veux dire, comme Guy Philippe, je veux dire, a plagué, a retourné dans le péril, et bien, nous, tous les Haïtiens, nous avons la déboire. Si, Guy Philippe connaît, c'est une bouleverse sur une baille pays, et bien on va retourner, même quand on est original. Dans une interview, il était baillé au média dans la capitale, le directeur exécutif réseau national droit Mounan, M. Pierre Espérance, fait qu'on est M. Guy Philippe, pas qu'à mener aucune activité politique dans le pays par rapport à des militaires gagnés avec la justice américaine. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu Dovinme pour VOA Créole. Merci Mathieu Dovinme depuis Port-au-Prince. Nous avons regardé la réaction quelques mondes qui ont même tapé justement parler sous libération et même retour possible de sénateur Guy Philippe en Haïti. Il était branché dans fin et émission ça, faut nous dire, ou même qui branché l'été parce que n'a rien à retourner depuis Atlanta, Georgia.
Georgia, ensemble avec Jacques Bélisère et Gentil Junior Augustin, pour nous continuer avec plus de détails, dernières informations qui ont tombé sous causé Guy Philippe. En vue de page actualité en allée ici aux États-Unis, côté que la fois qu'on est que petit président Joe Biden, Hunter Biden, t'a supposé paraître devant la justice par rapport ici aux États-Unis. Eh bien, procureur fédéral lui a demandé un grand jury puis t'a inculpé. Détail avec Sandra Le Maire. Procureur fédéral a eu intention de demander un grand jury inculpé petit garçon président Joe Biden, Hunter, avant fin mois, d'après nouveaux documents légaux déposés devant le tribunal. Document ça a eu pour avec un dossier possession ZAM, côté il a accusé Hunter Biden d'être qu'il était possédé un ZAM à feu pendant qu'il a abusé drogue. C'est un bagage qui est illégal aux États-Unis. Procureur n'a pas dit exactement qui ça il peut accuser monsieur. Gain enquête fédérale qui a mené tout sous business Hunter Biden te gagné avec compagnie étrangère. Avocat gouvernement américain pour l'État Delaware, David Weiss, fait tout nommer un nouveau avocat en connexion avec Cassila. Nouveau avocat dit l'a essayé inculper Hunter Biden avant 29 septembre, qui c'est sa juge Mary Ellen Noreika m'a dit pour y'a fait. Sandra Le Maire pour VOA Creole, Washington. Si Sandra Le Maire, on retourne en Haïti. Une autre actualité que nous avons pour vous, c'est question visite émissaire CARICOM. Qui est dans le pays? Émissaire CARICOM, ça, c'est déjà 4 jours que dans le pays, il a rencontré avec plusieurs acteurs dans la vie politique. Là, il y a des gens qui sont capables de chita ensemble, de jouer une solution à la crise du pays d'Haïti. Là, pour jouer un tout ça, qui même a suivi le dossier ça pour nous de près, il a présenté nous un reportage sous présence émissaire CARICOM dans le pays. Renan Toussaint. 8 médiateurs CARICOM dépêchés en Haïti. Dans le cadre de recherche et un compromis politique, l'âge entre acteurs haïtiens, déjà rencontré le Premier ministre Ariel Henry, acteur dans la classe politique haïtienne. Demain, vendredi 8 septembre 2023, Yapchit a parlé avec trois membres du Conseil de transition HCT. Pasteur Calix Fleridor, une membre entité ça, dit qu'il pourrait discuter sur plusieurs options avec l'émissaire CARICOM. Des options qui dit que Fok, Premier ministre là, lui démissionné avec tout acolyte lui. Il y a une option qui dit que Fok yo t'arrive à faire un lot à 7. Et il y a une option qui dit que c'est un nom élargi à 7 à mettre 5 membres ou bien 7 membres. Donc tout ça, ce sont des possibilités sous table là. Mais moi, j'espère qu'à la fin de la journée, à la fin de la négociation, nous capables de venir une solution côté que tout acteur, en grande majorité, mettons d'accord pour une solution de sortie de crise. Dans la rencontre, il y a mercredi 6 septembre 2023, avec signataire déclaration Kingston et émissaire CARICOM, ils ont vivement réclamé démission Ariel Henry comme Premier ministre. Démission Ariel Henry, selon ça, dit, y a une étape nécessaire pour faciliter le dialogue avec négociation en différents parties prenantes. Comment pasteur Calix Fleridor, membre HCT, ouais, démarche ça. En politique, il y a une décision politique par exemple fait unanimité. C'est-à-dire qu'on va toujours jouer, gagner d'accord et gagner, nous d'accord sur tel point, mais pas d'accord sur tel point. Mais nous voyons que je dis à qui ça pays a besoin, c'est toujours une entente. Il y a un consensus côté que la grande majorité d'acteurs sont capables de sentir impliqués dans la grande décision qu'a prise pour joindre une solution de sortie de crise que le pays a fait face pendant plusieurs mois et années même. Aïssé, vous-même, espérez médiation carrée comme ça pour être capable enfin porter une avancée significative et permettre une sortie de crise qui est bénéfique pour la population pendant que incertitude et instabilité politique qui n'a pays depuis bien longtemps qui ont un impact dévastateur sur l'économie et bien-être pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. Actualité après poursuivre ensemble avec vous dans VOA Creole. Dans rendez-vous FO Actualité Internationale, il faut qu'on ait que sommet G20 a commencé demain vendredi 8 septembre dans le pays Inde. Et c'est Serge François Michel qui a parlé de nous raconter ça.
Président des États-Unis Joe Biden mettait tête pour aller dans le sommet G20 en un pays Inde. Un gros objectif et un gros espoir que le groupe 20 nations qui plus riches qui travaillent ensemble avec les nations en développement. Il y a ce gros problème mondial. Yo. C'est sa Maison Blanche te dit, m'a dit pendant parole à parler sous Santéli après première dame Jill Biden testé positif pour COVID-19 non jour avant. Conseiller pour sécurité nationale Jake Sullivan dit administration pour elle très attention sur le problème d'un gros changement climat et fort pour restructurer dette avec la guerre Ukraine. Rumblé à Thomas samedi ça, dans la capitale Inde, non Delhi. Sullivan dit, nous espérons sommet G20 pour montrer que grand économie mondiale qui travaille ensemble, même à l'époque qui chargeait avec défi. Là, nous allons non Delhi, nous pourrons concentrer sur aide pour pays en développement et au progrès pour nous faire sur principales priorités pour peuple américain. Sortir dans le climat pour arriver dans la technologie et sous montrer engagement nous, dans G20, dans un forum qui, tant qu'on dit déjà, permet de nous faire ça. Quelques analystes disent absence de leader clé, qui c'est président russe Vladimir Poutine avec le président chinois Xi Jinping, pour quelqu'un qui fait ce sommet, spécialement dans ça, qui concerne les gros défis qui devraient organiser ce sommet, premier ministre indien Narendra Modi. Biden te dit l'autre jour là, que ça pas le problème de l'apprendre que l'idée chinoise qui gagne pile pouvoir pas de gagne l'idée participer. Malgré ça, il dit moins pour l'ouer. Madian Sullivan va te dire qu'il y a une réunion comme ça qu'a faite et quelques analystes disent qu'il y a respiré non de lire avec Pékin, car est plus loin parce que Chio et Pitio, c'est un nouveau cas de géographie la Chine que l'Inde n'a pas accepté. Le gouvernement chinois te dit dans une phrase sur le site internet que c'est le premier ministre Li Qiang qui a plat. La Chine va l'organiser dans la capitale de Pékin l'autre mois, 10e anniversaire forum. Non, à pas de tension qu'il a depuis longtemps entre la Chine et l'Inde, l'autre analyse pensait il faut les États-Unis en faire prendre pour faire face carré avec la Chine. En ce moment, dernière décision Washington pour voyer 6 militaires à Taïwan, qu'en contribuer dans la décision aussi pour participer dans le sommet. Ça va beaucoup, bien branché, ou fait bon choix pour capable jeune, bon genre information, non, bon gentil mamie, c'est rendez-vous info qu'a performé. Il faut qu'on ait été branché parce que presque arrivé nos fins, et putain d'informations. Ça nous parle aux jeunes depuis Atlanta, Georgia, Jacqueline Belizia qui prend nous plus de détails, l'autre information a tombé toujours sous dossier Guy Philippe. Actualité après poursuivre, il faut qu'on ait que pays providentiales vont retourner dans ville au Cap, plusieurs dizaines haïtiens qui ont même vivent de façon irrégulière dans l'archipel britannique, ça, sur la journaliste de Roi Creole, dans le Cap haïtien, Gérard Maximo, c'est depuis mois juillet que ça passait et ça provoquait un commencement de rapatriement à dedans pays. Gérard Maximo, reportage. Depuis mois juillet passé, c'est presque chaque jour, pays providentiales, baké tourné plusieurs compatriotes haïtiens qui vivent de façon irrégulière dans l'archipel britannique. Ça, directeur régional, Office national migration, ONM, Kevin Augustin, expliquait VOA Creole, puis fort rapatrié ou sorti dans la région nord pays, responsable a même rivé identifié quelques zones embarcations à eau qu'on habitué fait. Ce sont des gens qui rentrent dans le pays Mounio illégalement, dans le clandestin. Et dans le département, on ouvre des zones rouges qui ont ouvert embarcations à eau, tant que Balan, Cowboy, Boudmer, Lavadie, Cap-Haïtien. Ce sont des zones que trafiquants qui ont fait des voyages clandestins ont utilisé comme port pour faire embarcation. Mon yo yo rivé providentiel, mon ça. Oui, il y a un rivé providentiel et tout. Et puis, il y a un monde parmi eux qui vivent providentiel illégal que l'immigration providentiel a arrêté ou tout revenu parmi eux. Il y a un rapatrié au fait qu'on est payant pas bon pour génio. C'est une raison qui fait la risque ville. Dans la mer. Les circonstances pour pas quitter mon lieu étaient parce que j'ai un débat ça a commettre des infractions sur l'avion, mais on a pris un bateau, franchi la mer comme ça, parce qu'il y a un pays où la caille n'a pas de travail, et tandis que il y a des pays où c'est lui-même qui t'a pour pas mon salaire au côté pour vivre. Mais dès que nous avons un gouvernement, parce que tout le monde qui est passé dans le gouvernement, c'est une portion volée. On s'est crasé, brisé, détruit, plein poche, mais on n'a jamais de jeunes dans le ça fait jeunes dans obligé à faire sacrifice, souffrir la mer, on n'a pas battu, on et c'est ça qui permet que les groupes sont réchis à la route, depuis notre début, on a passé du jeu. Quand on a des points bateaux, nous, Balan, nous obligé pour un bateau, nous fait tout le monde dans la cour et la mer, et nous y arrivons, ben dit, y arrivons, arrêtez-nous,
nous faisons n'importe 4 jours de prison. Parce que c'est parce que le gouvernement n'a pas de responsabilité, c'est ça que nous avons été. Quand on a arrêté, non? Il a arrêté mon côté. Donc, il y a une écosse. Quand on a parlé? Nous avons parlé pour vous. Nous arrivons perdus. Nous sommes tombés dans le premier zile. Nous perdus. Nous venons entrer dans le deuxième zile. Là, nous mettons nous à terre. Et puis, nous-mêmes, nous prenons la bonne entrée. Et nous constatons arrêté nous. Combien de pays pour vous? Bon. Et la majorité de nous, nous avons dit nous ne pouvons pas payer parce que nous n'avons pas de moyens possibles pour nous payer. Mais nous sommes obligés de faire sacrifice, nous faire des efforts, nous partir parce que n'y a pas bon pour nous dans le pays d'Haïti. En pile de rapatriés, expliquez, VO à créole, ils ont plutôt risqué de vivre sous la main tant qu'ils prennent des armes pour entrer dans la gang. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour la Voix de l'Amérique. Merci, Jérôme Maximo. On a profité de saluer toute affiliée aux stations radio, télévision, journal, qui pour transmettre rendez-vous info, bulletin nouvelle, ça, sur tout le territoire national, là, dans le pays d'Haïti. Salutations, donc, à affiliés, ça, nous voyons que j'en fais chaud, ces jours-ci. Je vous dis à vos belles chaleurs. Hier, tout est fait chaud. Eh ben, il semble que c'est le changement climatique, là-bas, oui. Question de température, ça, qui vient chaud, qui vient très chaud, ces jours-ci, fait quoi? Que c'est un été qui pique chaud depuis quelques années. On a regardé les chiffres avec statistiques qui ça fait qu'on est que ces changements climatiques un petit genre a bouleversé mille températures. On a suivi. Montant a fait expérience température été qui pis chaud depuis qu'il a commencé à recenser température dans l'année 1940 d'après données service changement climatique Union européenne. Nouveau données climatiques ça a été publié hier mercredi 6 septembre et a été montré que température moyenne mondiale là sorti dans le mois juin arrivé dans le mois d'août là t'est monté dans un niveau sans pareil. De 16,77 degrés Celsius, qui c'est 0,66 degrés Celsius, qui pire haut par ces températures moyennes là pour période là, d'après données service changement climatique, ça qui relève Copernicus. Pendant 3 mois qui sont passés là, mauvais temps extrême, sorti dans vague chaleur, qui la cause sécheresse avec des phénomènes enragés, ensemble avec inondations, t'es ravagé continent Asie, l'Afrique, Europe, avec Amérique du Nord. Il t'est touillé plusieurs mondes et puis détruit caille et diminué moyen pour monde qui vivre. Pendant ce temps, température moyenne si face là, mais dans le monde là, continue à monter plus haut depuis mois avril 2023. Cependant, niveau température là, mais Antarctique là, qui fait glace, les mêmes territoires dans un niveau qui pire bas pour époque là pendant l'année, d'après Service Copernicus. Samantha Burgess, directrice adjointe Service Copernicus, a avait dit que le monde va continuer ou plus recours dans le changement climat, ensemble avec des événements météorologiques cap intenses et qui va affecter société ensemble avec écosystème là jusqu'à ce que il fait ça que les gaz thermiques là suspendent et mettent dans le monde ça qui la cause en pile la troublaille dans la température mondiale là. Je vous dis hein, comme chaque jeudi femmes ont une place spéciale dans rendez-vous info. Je vous dis c'est causer femmes mesdames la richesse banou messieurs tout regardez causer femmes je vous dis dans rendez-vous info. Chez les plantations haïtiennes d'origine qui vivent dans le côté Mamidide, ils sont docteurs dans le domaine droit. Chez les directrices à Mamidide de la Community Relations Board, ils sont tous fondateurs de l'organisation U-Turn et Youth Consulting qui travaillent avec jeunes dans le côté Mamidide pour empêcher de rentrer dans la gang et ils sont chefs exécutifs de l'organisation SILA. Docteur Plantin de Valéa Vio Atriol pour expliquer le travail U-Turn et Youth Consulting à faire dans le côté Mamidide. Naissance moi la question communautaire là, nous travaillons avec gangs, surtout gangs haïtiens, c'est spécialité. Nous travaillons avec plusieurs gangs qui dans le pays, surtout dans Mamidade County. Mais nous venons avec U-Turn parce que nous réalisons que en pile notre travail qu'a fait notre communauté, c'est pas en question de seulement servir jeunes et by servir chaque jour, mais c'est en question tout de qui monde qui campait dans clivage là pour jeunes, qui monde qui comprend le système là assez, qui ka parler ni langue jeune ni langue système yo. Et c'est travail ça que nous même nous fait dans U-Turn. Pour Charlie Plantin, depuis que n'importe monde ou bien institution veut travailler avec jeunes, U-Turn Youth Consulting a formé yo. Majorité dans clientèle nous c'est la police, c'est monde qui travaille dans système judiciaire là, c'est professeur, c'est docteur, c'est avocat, c'est tout le monde, n'importe monde qui a une opportunité pour le servir aux jeunes, c'est lui-même que nous traînons. Deuxième clientèle, nous, c'est ça nourrit les jeunes lui-même. Et troisième clientèle, là, c'est la communauté entière. Docteur Plantin a plus passé 18 années depuis la travail dans la communauté. Et il te parle tout, qui genre de travail il fait avec vous? Moi, je crois que je servis jeunes dans tout domaine, excepté ça nourrit les résidentiels là. Beaucoup de servis jeunes en dedans et en côté que jeunes sont en captive. Mais toute question qui vient pour revoir le jeune dehors, avant que jeunes entrent dans la gang, qui est pour nous aider à sauver, mission pas nous, c'est pour nous pas jamais permettre aux jeunes d'entrer dans la gang premièrement.
nous fait célébrer 6e anniversaire nous, mais avant U-turn, nous avons plusieurs autres organisations, nous engagés dans la communauté. Sur tous 18 ans, nous, c'est pratiquement servi jeunes, servi familles, surtout avec le problème que nous avons là qui a rentré dans la communauté avec question immigration. Nous connaissons que grand pile parents qui beaucoup comprennent le système, non? Qui beaucoup comprennent le danger qui est dans le pays. Hein? Son mission par nous, c'est pour nous protéger les gens que nous sommes capables pour nous continuer à aider jeunes, surtout jeunes haïtiens. Nous, ouais, toute nationalité, mais comme c'est haïtien, nous avons toujours un petit côté qui est plus sensible pour la communauté haïtienne. En pile fois, lorsque on est dans l'école, on réalise que parents perdus, si on n'a pas compris le système, les parents tout lui-même, ils ne peuvent pas adapter le système ici, et c'est une première façon qu'un parent qui a perdu petit peu. D'après Dr. Shirley Planter, États-Unis, c'est un pays qui change rapide. Elle demande aux jeunes, c'est tout cela qui fait venir pour nous poser. Oui, comme je dis, jeunes, c'est tempo. Parce que pays à son pays qui mouvent à vitesse, nous connaissons que c'est une réalité que jeunes n'ont toujours adapté plus vite que parents l'ont adapté. Son premier point, c'est parents, hein? C'est avec parents pour nous faire travail là, pour parents comprendre que le système n'est pas nécessairement là pour nous aider, ouvrir. Il n'y a pas qu'à trust le système n'est pas. Et même question, le que n'a pas essayé discipliner petit, nous, faut nous comprendre que nous, dans l'autre pays, dans l'autre système, majorité de notre travail là, même avant que nous commençions à travailler avec jeunes, ça avec parents pour nous faire travailler, pour yon ka comprendre côté yon, qui ça, qui programme qui gagne pour yon, qui programme qui ka aide yon évoluer. Mais ça qui est important tout, c'est que pour nous pas perdre ligne de communication avec petit yon. Parce que si moun nan tout li même, la PC est adapté, li pa parle langue nan, li en doit pour consentir confortable et li nécessaire à 100% que parents servi en tant que un allié pour lui. Concernant docteur Planter pour jeunes de cas vivre dans côté mami dit là, c'est pour chercher monde qui capable aider yo et pour yo prendre précaution à monde y a choisi pour amis. Message que me gavoué c'est que pays a changé ce nous, c'est que temps a changé ce nous et responsabilité par nous c'est pour nous faire devoir nous, c'est pour nous faire ça que nous connaît pour nos cas devenir un succès demain si Dieu veut. Toujours dit parents, toujours dit jeunes que succès un petit monde, un jeune dans communauté c'est succès toute communauté. Mais là que un petit monde il n'a pas fait succès tout, bah il a passé mal, c'est toute communauté qui paye ça. Conseil PAM pour jeunes, c'est chercher monde qui a aidé nous, prêter un peu l'attention à monde que nous choisi comme amis nous. Mais ça qui est important tout, c'est déterminer que ou même vous voulez un succès et qui ça va faire pour arriver à succès ça. Youtube New Consulting, c'est une organisation qui fondée dans l'année 2017 dans côté Miami Dade, dans souci pour aider jeunes de bataille pour ne pas entrer dans le temps. J'aimerais qu'il y ait Bella, Miami, ou Véra Creole. Merci, rappelez-nous, mesdames, que c'est chaque jeudi que nous avons place, nous, dans Rendez-vous Info, Causer Femmes. Nous retournons une fois ça, dans Georgia, dans Atlanta, Georgia. Jacques Mélisère, nous retournons ce dossier, ça cap évolue toujours. Guy Philippe, vous parlez ensemble avec Guy Philippe, vous avez échangé au cas ensemble avec lui. Qui j'en entendez dans la voix, que vous avez eu, qui j'en senti et esprit mental, qui j'en sais avec Guy Philippe? Oui Valérie, effectivement, nous sommes en contact avec Guy Philippe jusqu'à hier soir. Côté que l'idim a blonde pokipo que demain matin, comme la guerre, n'a pas contact. Ces derniers échanges que nous avons fait avec elle hier soir, mais depuis matin, m'a pensé entrer en contact avec elle, moi pas qu'à arriver joindre. Mais il était bon aspect au monde qui est confiant et qui est très positif. Et dans tout échange que nous avons avec elle, sous dossier, il pensait que majorité à l'al d'après la guerre, mais. Contrairement à ça que peut-être il était dit, il est effectivement lagué, mais il n'est pas libre pour te rencontrer avec nous, pour nous faire une interview et pour te éventuellement quitter le pays. Donc jusqu'à présent, toujours un problème au niveau légal pour ta quitter le pays, mais il n'est pas en prisonnier encore, peine ni au fini, il finit que j'ai peine. 108 mois, bien que ce n'est pas tout 108 mois que les fait dans la prison. D'accord, Jacques Belizer, donc après, qui t'a posé ta question, qui justement suivi là dans un moment, qui t'a tant de voir pour tes informations à Guy Philippe, il est sorti dans la prison, mais pas libre pour l'entrée en Haïti. Et nous t'avons étalé à l'avocat, c'était Maître Richer et Jean-Joseph, après qui t'est parlé ensemble avec vous d'ailleurs. C'est ça, Richer Jean-Joseph. Et de notre côté, nous jouons l'ambassadeur Haïti dans la Cour Washington qui dit que ne va recevoir aucune demande pour document Guy Philippe capable d'entrer en Haïti. Merci Jacques Belizer, bon travail depuis Atlanta, Georgia. Jacques Belizer qui était ensemble avec Gentil. Junior Augustin. Merci, messieurs. Voilà, nous avons pris le bout dans Butin Nouvelle. Encore une fois, nous avons salué, mais moi, gros madame ça, femme voyant. Merci, Lise, Jean-François, maman, gentil Junior Augustin, qui malheureusement fait un voyage.